Elle est celle qui a été la dame de compagnie d'Elisabeth II pendant 60 ans. Lady Susan Hussey, amie proche de la reine, de Charles et même marraine du prince William, est aujourd'hui au cœur d'un scandale raciste. Lors d'une réception organisée par la reine consort Camilla, elle aurait à plusieurs reprises et de façon insistante demandé à une femme britannique noire de quel pays elle venait. Elle m'a dit « Quelle est votre nationalité ?» Et j'ai dit « Lady, je suis née ici, je suis britannique. » Et je pensais que ça en resterait là, mais non. Elle a insisté « D'où est-ce que vous venez vraiment ? D'où vient votre peuple ?» Mon peuple ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était très inconfortable, car je voyais bien qu'elle avait une idée préconçue. C'était très clair. Des propos qui relancent les accusations de racisme envers la monarchie. Face au tollé, Lady Hussey démissionne et le palais de Buckingham doit s'exprimer. Nous prenons cet incident très au sérieux. Des propos inacceptables et profondément regrettables ont été tenus. Contraint de s'exprimer également, Rishi Sunak, premier britannique non blanc au 10 Downing Street, il a lui aussi condamné cet incident. J'ai moi-même fait face au racisme. Notre pays a fait des progrès dans la lutte contre le racisme, mais le travail n'est jamais terminé. Alors, il faut en parler dès qu'on y est confronté. Un scandale dont se serait bien passé le roi Charles, et il n'est peut-être pas au bout de ses peines. Avec la sortie prochaine du documentaire d'Harry et Meghan, parti s'installer aux États-Unis. Je devais tout faire pour protéger ma famille. Est-ce que ce n'est pas logique qu'on raconte nous-mêmes notre histoire ? Harry et Meghan promettent de nouvelles révélations qui risquent de perturber encore le début de règne de Charles III.